Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une recette très rapide et surtout appréciée par les enfants. On va faire une recette de pâtes tout en un. Vous allez voir avec moi que je vais mettre des pâtes dans un faitout, comme ça, sans les faire cuire. Voilà. Je vais mettre des tomates, une ou deux tomates coupées, un oignon coupé en petits dés, un poivron coupé en petits dés également. J'ai pris du saucisson à l'ail. Vous pouvez le remplacer par des morceaux de poulet, de blanc de poulet ou du thon en boîte, ce que vous avez à la maison, comme vous pouvez ne rien mettre. Je vais mettre de l'ail écrasé, du bouillon cube, du sel, du poivre et du paprika. Je vais mettre un filet d'huile. Et je vais couvrir tout ça avec de l'eau bouillante. Je suis sûre que vous êtes un peu surpris, mais croyez-moi, ces pâtes, elles sont très bonnes, comme ça. Maintenant, je vais couvrir et laisser cuire, et de temps en temps, je vais venir remuer. Et on se retrouve après. J'ai oublié de vous dire de mettre une bonne cuillère de concentré de tomate. Je vais mélanger. Et on va laisser cuire tranquillement. Voilà mes pâtes en cours de cuisson. Vous remarquez que ça commence à cuire. On va laisser nos pâtes jusqu'à ce qu'il n'y a plus une goutte d'eau. Et on se retrouve après pour le résultat. Voilà mes pâtes. Il n'y a plus d'eau. Les pâtes, ils ont tout absorbé et ils ont cuit. Mon plat est prêt comme vous le constatez. Ça m'a pris 15 minutes pour préparer cette recette. Donc plus rapide que ça, il n'y a pas. J'espère que ma recette vous a plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Au revoir et merci.